C'est un jour que Martine attend depuis plusieurs semaines. Qu'elle redoute aussi. Elle est anxieuse. Le rez-de-chaussée est toujours occupé par un locataire indélicat qui ne paye plus son loyer. Ce matin, il doit quitter les lieux, si tout se passe bien. Un accord a été trouvé grâce à ce député de Montpellier à droite, Patrick Vignal. Quand il a vu notre reportage, il a décidé de prendre les choses en main. Il s'est improvisé médiateur. Sur place, plusieurs bénévoles devenus proches de Martine sont là. Il y a aussi son avocate. Ils vont finaliser les termes de cette conciliation qui va leur éviter de longues procédures judiciaires. Martine accepte de renoncer à des poursuites si le locataire quitte les lieux ce matin même. Allez, on descend. Ils vont aller le chercher. L'ambiance est tendue, le compromis n'a pas encore été signé. Je passe par la porte d'entrée, moi, je passe pas par les à côté. Avec la trêve hivernale, le locataire a le droit de rester jusqu'au printemps prochain. Je mets de côté parce qu'il a fermé, tu vois. Tranquille-vous un peu. Il ne répond pas.